Bienvenue dans ce documentaire, un documentaire absolument exceptionnel. Vous êtes bien sur Popcorn TV. Je pars faire un reportage incroyable sur un gilet jaune haut en couleur. Un gilet jaune Ricard. Il s'appelle Bébert. Bébert est au chômage depuis 25 ans. Depuis 25 ans, il ne trouve pas de travail. Et désormais, il est là, acte après acte. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, acte 6, acte 10, acte 7, acte 11, acte 8, acte 12, acte, 9, acte 13, acte 10, 14, acte 15, acte 16, acte 17, acte 18, acte 19, acte... Tous les actes, hein, il est toujours là. Alors je m'apprête à prendre ma caméra qui me filme actuellement, sans laquelle vous ne me verriez pas actuellement. Et derrière moi, vous le voyez, sa maison. On va le suivre dans son quotidien de révolutionnaire, car Bébert en a plein le cul, en a marre de se laisser... Hein, c'est Popcorn TV, à vous les studios. Ça fait bien quand je dis à vous les studios, ça fait professionnel. Je suis crédible. Je suis arrivé. Ah, on l'entend. Bonjour. Bonjour. C'est à Popcorn TV. Est-ce que on est venu faire le reportage de... comme prévu? Attends, pas régler ma voiture. Attends, j'arrive. Oh, attends, hein, j'arrive. Ouais, ouais. Ah, c'est compliqué. Ah non, non, non. C'est pas compliqué. C'est juste un mécanique. Ah, vous étiez en pleine mécanique là, c'est ça? Ah ben oui, 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 parce qu'à force de monter à Paris, on va pour aller travailler sur le gilet jaune. Alors, voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux? Voilà, t'as dit, rentre, hein. D'accord, merci. Attends, là, je fais gaffe au fortail avec tes pantoufles. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'accueillir Popcorn TV, c'est très gentil. Oui, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux rentrer, bah, tu sais, regarde, voilà, c'est très, très rapide ici chez moi. Ouais. Moi, j'étais juste en train de refaire un petit peu de mécanique. D'accord, bah, je vais passer par là. Alors là, tu vois, j'ai juste un petit peu de mécanique parce qu'on a fait de la route. C'est la merde parce qu'on a manifesté. Et puis j'avais envie. Ah. Ouais. Bon. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Oh, oh merde. Ça va? Ah, ça va aller, ça va aller. Ah. Oh, c'est juste là, avec des ronces. Ah oui. C'est compliqué tout ça. Alors, ça bidouille. Ça rien, ça fait des étincelles, alors tu fais attention. Ouais, d'accord, bah, bon. Je vais pas toucher. Oh, on va laisser ça tranquille, on verra ça plus tard. Et je suis glace, là, c'est un peu tout pourri, mais bon, ça va très bien aller. Et du coup, c'est avec cette voiture-là que vous allez aux manifestations, c'est ça? Eh bien sûr que non. Oh. Et du coup, en fait... Je vois pas que c'est tout cassé, il n'y a rien compris, celui-là, mais tu as dit, vas-y, ça fait des remportages, et puis là, il ne comprenait rien du tout. Moi, je suis gilet jaune. Quand on est parti comme ça, là, on monte sur la forêt comme ça, le retour. Puis là, où il y a le barbecue là-bas. Bon, après, on a commencé, et puis bon, le problème, c'est qu'on s'est perdu complètement. Alors, du coup, quand je suis redescendu, parce qu'on était monté sur l'échelon là-bas, quand on est redescendu par la route, parce que ici, c'est la campagne, je sais pas si tu vas regarder là-bas dans le travail, moi, je suis gilet jaune, quand on va là-bas, après, il faut pas commencer à me garer, moi, je vous dis, je déteste cette putain de Daniel. Alors après, ben ça mangeait plus, regarde, il n'y avait pas d'eau. Attends, je ne fonctionne pas. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? On va commencer à remonter. Bon, attends, c'est le tour, j'arrive. Hein. Et si je comprends bien, en fait, c'est votre voiture pour aller en manifestation? Oui, tout à fait, mais non, c'est pas la voiture, qu'est-ce que je viens de te raconter? Non, non. Alors en fait, c'est parce que quand on monte comme ça, côté des chalons, tu vois, ouais. Et après on reprend le chemin, mais tu vois bien qu'ici t'es à la campagne. Regarde, je perds du barbecue. Et après, bon, quand tu vas. Tu descends plus bas là-bas, le problème c'est qu'après tomber en panne, il n'y a plus d'eau. Alors bon, ben voilà, j'ai essayé de faire de la mécanique, mais c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, bah, ça va que moi je m'y connais un petit peu, je bidouille. Hein, Je suis pas sûr de comprendre, en fait, c'est votre voiture pour aller en manifestation? Non. Oui, oui, mais c'est pour aller à la manifestation. Mais c'est pas celle-là. Quand on a été à la manifestation, j'étais avec un... Quand on est remonté des chalons comme ça pour aller redescendre, ici, t'es à la campagne. Donc quand tu peux voir, il y a barbecue. Alors, regarde, on est redescendu comme ça, tu prends la route là-bas, et après, il n'y avait plus d'eau. Bah, tu peux regarder, il n'y avait plus d'eau dans le bordel, et puis après, bah, t'as convaincu par le fil et tout ça. Bon, là, de toute façon, c'est une histoire de mécanique, tout ça. Je t'explique très fort. Et alors, là, c'est quoi la prochaine étape? Parce que... Pourquoi vous faites ça? Mais gilet jaune. Pourquoi gilet jaune? On est gilet jaune. Alors quand tu veux que... On va faire une manifestation. C'est ça le truc, en fait. Aujourd'hui, tu fais pas champagne. On fait pas. Il faut que je répare la voiture. Parce qu'on part pas avec celle-là. Je t'ai dit qu'on part de Chalon. On a repéré le barbecue. Après, on a commencé à redescendre la côte. En fait, dans la campagne.
Mais le problème, il n'y a plus d'eau. Alors, il va falloir se débrouiller comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on aura peut-être une autre bagnole. Et puis, ça verra bien. C'est pas possible, c'est pas réparer le moteur, la porte arrière est fermée. Oh, ça commence à me galer, ces conneries. Il n'y a même plus de rétro. Ah, sans s'arrêter par SRS avec ça. Puis tu vois, c'est un peu de la merde. Regarde, regarde, viens voir un peu le bordel. Ça pisse la cambouis. Regarde ça, ça pisse la cambouis, hein, partout. C'est pourquoi vous faites à où, comme ça? Ah, gilet jaune, hein, copain. Attends, non, t'es gilet jaune. Tu connais pas le gilet jaune? Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, acte 6, acte 7, acte 8. On en est à combien? 9. Acte 9, acte 10, mmh. Acte 21 et, 20, et demain 22. Ah ouais? Et les autres, non? Pas quels autres? Après, peut-être plus tard, on verra, je sais pas. Ça, ça dépend de l'armée. Hein. Ah, on n'est pas sûr. Hein. Parce qu'alors là, l'autre jour, on a ramassé. Hein. Puis ça me pique le cul, ces conneries-là. C'est dans les roues, franchement, ils tombent en bien. Ah, parce que tu vois, si t'es chez moi, c'est bien mieux. Hein. Moi, j'aime bien recevoir les gens comme il faut chez nous, à la maison, chez nous, j'ai gilet jaune. J'ai gilet jaune, porte les gens comme il faut. Alors, viens voir, je te montre quelque chose. Je te présente. Ça, regarde, regarde, regarde chez vous. Allez, récupérer ça. Ouais. Tout neuf. Mais tout neuf. C'est, regarde, c'est tout joli. Ah, carrément les yeux bleus. Ah, petit. Ça, c'est de la merde. Enfin, c'est nul, c'est pas. Non, ça, c'est pas de la merde. Ça, c'est pas de la merde. Non, hein, c'est pas de la merde. Regarde. Là. Là. Ouais, c'est quoi ça? Un caillou. Un caillou. Un caillou. Et joli celui-là parce que c'est pas pareil. C'est un caillou, mais. Il est là. Il a toujours été. Hein. Pourquoi tu me montres ça? Ah, c'est joli. Là, c'est gilet jaune. Il est gilet jaune. Ah, il n'a rien compris. Bah écoutez, je veux bien que vous m'ameniez un peu dans votre vie intime, dans votre intimité la plus profonde. Ah, dans ma vie intime. Oh. Ah, en fait, votre vie de gilet jaune. Ma intimité. Comment? Ah, ouais, intimité. Oui. Oh, attends, ne bouge pas, j'ai compris ce que tu voulais. Voilà, là, c'est journaleux. Quand on est retourné à rentrer, quand on rentre, c'est pas possible. Alors après, les gens qu'on va rencontrer, sinon, moi, c'est vrai, je comprends pas. Après, aujourd'hui, quand je viens, on meurt. Non, non, je suis désolé. Il faut quand il va les choses, alors, ouais. Là, à la flash. Moi, je n'aime pas comme ça qu'on parle les gens. J'aime pas ça. Je travaille en vrai. Nous, on est là, des cabanes. Ouais. Des cabanes, pour les jaunes. Nous, ils cassent les cabanes. Non, casse pas les cabanes. Pourquoi t'as cassé la cabane, la porte? La porte, t'as tout cassé. Moi, j'étais à la porte. Tu fais pas? Pourquoi tu fais ça? Ouais. T'es cassé pas la porte. Ouais, bah, ouais. Moi, j'ai pas. Après, j'ai pris le marteau. Tu prends le marteau, t'as me pété la gueule. Non, pète pas la gueule. Ouais. Moi, je suis gentil. Il a dit quoi? J'ai mis deux flanches. Thérèse, elle va lancer les gaz. Moi. Comment ça? Ils sont marchands. Pourquoi ils sont méchants? Ils sont méchants, parce qu'ils ont un gilet jaune. Parce que vous nous, on est gentils. Ah, c'est nous, non, gentils. Eux, c'est méchant. Après, la France, quand ils commencent à nous gâcher la gueule, après, les conneries. Ils courent après, envoie les CRS, on lui envoie l'armée, on envoie tous les conneries. Les poules. Bah, ils font quoi? Ouais. Moi, je lui attends. Un cavale en bois, les belles planches. Pourquoi tu casses? Ouais. Non? Viens, je te montre intimité. Après, je prends les crottes. Je prends la crotte, ici, tu vois. Puis j'ai les cacatoves. Les cacatoves. C'est quoi les cacatoves? Tu devrais balancer chez les flics. Pourquoi vous balancez de la merde sur les flics? Ah, vas-y, il a caché la porte de mon moteur. Tu veux dire qu'en fait, c'est les flics qui ont cassé ta voiture? A caché la voiture? Non! Ils en font quoi? Ils comprennent rien. Ils ont pété le bois de la cabane de la cabane. Bon. Nous, on est gentils, j'ai jaune. Ouais, ça, ouais, on est gentil. Pas de problème, vous êtes gentil. Ouais, très gentil. Ouais. Alors, on prend là. Tu prends les cacatoves. Là. Ouais. Tu fais caca. Ouais. Et je te montre. Je fais trois petits caca. Ouais. Tu fais. Tu te manges la côté de. Quand ça vient, tu poses une crotte comme ça. Tu prends le caca. Il faut qu'il est là. Tu le prends bien. Tu mets dans l'impôt. T'es impôt. Cacatov. T'es cacatov. T'as compris? Cacatov, ouais. Voilà. C'est toi con. T'es pas con, toi. Hein. Non, bah. Ah, toi, t'aimes bien. Hein. Ah, mais je t'aime bien. T'es un bon journaliste. Si, c'est pour se laver les mains. Parce qu'une fois que t'as fait caca, t'as faut te laver les mains quand même. Elle est propre chez nous.
Oui, on a tout prévu. Ouais. Tout. Ah, alors, sinon, je suis engueulé. Est-ce que vous êtes célibataire? Ouais. Moi, je suis célibataire. Oui. Moi, non. J'ai des chèvres. Et votre femme, elle s'est barrée? Ah, ma femme, oui, elle s'est barrée avec un flic. Quoi? Ah ben, on ne sent pas tes flics comme ça. Hein. Et votre femme, vous êtes célibataire? Ouais. Non. Non? Non, ma femme, elle s'est barrée avec un flic. Pourquoi? Ben, je sais pas trop, hein, parce que quand on était à la manif, c'était l'acte, je me rappelle plus, 9 ou 10. Hein, un flic tournait un peu autour, il est coq. Ouais, elle. Hop, hein. Moi j'ai balancé Kakatov, l'autre elle a dit comme ça, genre Kakatov, non, elle était vers le flic. Ah, elle lui préfère Kakatov. Non, moi j'aime pas, moi. Et vous êtes célibataire? Non. Oui. Ma femme est partie avec un flic. Ah, je peux pas t'expliquer comme ça. C'était l'acte, je ne sais plus. Donc, En fait, si je comprends bien, t'as tout perdu alors. Une grande famille, Gilets jaunes. Ouais. Ah non. Et pourtant, t'es tout seul. Ah non, on a une grande famille, Gilets jaunes. Mais pourtant, vous êtes tout seul. Non, je suis pas tout seul. Une grande famille, Gilets jaunes. Ouais, mais t'es tout seul là. Non, je suis pas tout seul. Demain, tu as, on est beaucoup. Ah, dans toute la ville. Mais après, tu la revois plus. Ah, si, on se voit tout le temps. Et vous la voyez à tous les samedis. À tous les samedis. Ouais, mais ça va pas. Tous les samedis qu'on se voit. Tous les samedis. On y va, Macron, quelqu'un con, oh. Vous êtes. T'es comme ça, Macron. Tête de con. J'étais comme ça, je tête de con, Macron. Oh, on a reconnu les chansons. Et alors, mais en fait, est-ce que c'est encore célibataire ou pas? Non, pas oui, parce que ma femme est partie avec un fils. Enfin, c'était pour l'acte, je ne sais quoi. Je peux pas t'expliquer, parce que c'est un peu trop long. Balancer Kakatov. Et lui, rien comme ça. À ma femme, de toute façon, on va t'expliquer, je rigole pour moi. Après, quand tu vas voir comme moi, de toute façon, je peux pas te dire. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, voilà. Ah, voilà, donc, bon. Il est gentil. Il est gentil, mais il n'a pas de lumière à tous les étages. Macron, t'as qu'un con, oh bien t'as cherché chez toi, Macron, oh, t'as qu'un con, oh bien t'as cherché chez toi, oh, Macron. Ah, merde. Macron. Monsieur Bébert, est-ce qu'on peut passer à la suite? La suite. Vous pouvez nous faire visiter peut-être votre baraque votre baraque et puis. Ensuite... encore des parties intimes. Si t'as envie de faire caca, c'est Kakatov. Hein. Moi, je te donne, tu te prends le pot, par contre, regarde ton caca. Pourquoi, monsieur Bébert? Oui. Pourquoi tu me parles de tes Kakatov alors que je suis en train de te demander de montrer ta maison? Bah, je croyais que tu es parti intime. Tu m'as dit tout à l'heure, là-bas, on était là. Je t'ai dit, regarde, j'étais là. Ouais. J'étais là ici. Ouais. J'étais là ici. Je me rappelle, hein. J'étais là ici. Ouais. Et monsieur Bébert, est-ce que tu veux bien nous montrer ta maison, comment ça se passe? Et puis, après, demain, comme ça, on peut partir à ta révolution. Merde. Attention, mon caillou. Ouais. On peut faire attention. Pourtant, ça va bien, c'est la bonne dimension. Je comprends pas. Est-ce que tu pas. Peux nous montrer ton chez toi, s'il oui, te plaît, oui. Bébé? On va y aller, Tu peux nous montrer ton chez toi, s'il te plaît, bébé? Bah oui, on va y aller. On va pas nous s'exciter, là, quand même. Deux minutes, je suis en train de te montrer les trucs, tu me dis mes intimes. Je te fais montrer la cabane, je peux même pas encore réparer la bagnole. Allez, demain, c'est la manifestation. Nous, on est gilets jaunes. Ouais. Chez nous.
Oui, j'ai bien compris, mais là, ah, ça va être compliqué. Hein. Ah. Oui. Va te perdre la pierre. Tiens, pas. Ok, bon bah, je te vous suis. On arrive au cul. Péter le cul. Alors. Ah, voilà. On est peut-être dans la baraque. Alors, présentez-nous votre merdier. Merdier ? Regarde, un merdier, il n'y a pas de merdier chez moi, c'est tout propre. Attends, je rigole pas un peu. Tu vois, moi, enfin, un merdier à faire des trucs, c'est tout nettoyer quand même, parce que je suis joumier, j'ai rangé quand même un petit peu. Ouais. Voilà, tu vois bien. Pas caca, toi. En fait, vous gardez toute votre merde pour les CRS, quoi, c'est ça ? Ah ben, j'ai les jaunes, hein. Et puis, t'as vu, c'est ma hache. Qui est pour faire des haches. Tu coupes avec des haches. Ouais, ouais. Voilà. Je coupe des. Je m'amuse à. Et ça, t'amènes ça en manifestation ou pas? Non, non, c'est pour couper des voix. Ouais, ouais, ça coupe. Mais pourquoi tu l'amènes pas en manifestation? Ah, il faut faire le voix. Pourquoi tu l'amènes pas en manifestation, ta hache? Pourquoi tu l'amènes pas en manifestation, ta hache? Ouais, ouais, c'est pour couper de bois. Bon. Et pourquoi est-ce que vous ne l'amenez pas en manifestation votre hache? C'est pour couper le bois. Et les boules de pétanque, en fait, ça permet de balancer sur les CRS ou pas ça? Non, cacatob. Là, ça c'est lubrifiant. C'est pour couper. C'est pour couper le bois. Ah, celui-là. Et ça aussi. Là je vois que vous avez des boules de pétanque. Ça, c'est. T'en fais quoi des boules de pétanque? Non, c'est pour couper le bois. Enfin, ça. Et ça encore. Alors ça. T'as lubrifiant. C'est lubrifiant. C'est pour lubrifier. Ça, c'est là. Ça, c'est pour la voiture. Pour la voiture, pour lubrifier. J'ai écrit pour lubrifier. Lubrifiant. Tu lis bien en plus, du coup. Ça à quoi ça? Lubrifiant. Notre Javel, c'est pour lubrifier? Lubrifiant. Ouais, voilà, ma gueule. Excuse-moi, mais. Ça, c'est quand. T'as besoin de lubrifier, j'imagine? Mais non, c'est pas quand je me rase. Ah oui, c'est pour me raser. Mais qu'est-ce que tu fous avec tous ces lubrifiants? Après la voiture. Quand tu montes à Paris, il faut y aller. Hein. T'as pas besoin de tous ces lubrifiants. Quand on a arrêté. T'as pas besoin de tous ces lubrifiants pour une bagnole. Bah, lubrifiant, il est là. C'est un lubrifiant. Mais t'as pas besoin. Vous avez pas besoin de tous ces lubrifiants pour une voiture? Bah, si, parce que quand on monte quand même à Paris, il y a une manifestation, hein, on a besoin des lubrifiants. Faut lubrifier. Hein, tu lubrifies quoi? Alors que ça, je suis là, le lubrifiant. Je lubrifie pour lubrifier pour la voiture pour quand on monte à Paris. Ouais, d'accord. Et la hache, vous. Non, c'est la hache pour couper le bois, c'est quand je t'ai montré tout à l'heure. Je t'ai dit que ça, le monsieur. Et demain, t'auras des. Quand tu mets des caca, ouais. Après tu tournes et tu brosses le caca. Et demain, t'auras des caca toi aussi? Ah oui, oui, oui. Les cacatobes, hein, tout le temps, on a plein dans la voiture, les cacatobes. Alors ça c'est l'hache. En fait t'as plein de merde dans la voiture, c'est ce que tu veux dire, quoi. Ah oui, 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 toujours. Ça c'est l'hache, c'est pour couper le bois. Ça c'est quand je marque les adresses de mes copains. Ouais. Les gilets jaunes, on marque le numéro de téléphone. D'accord, ouais, ouais. Parce que tu vois, il n'y a pas de mine. Oui, il n'y a pas de mine, mine de rien. Mine de rien. Ah, bon, alors on va quand même rentrer à la baraque. Et puis voilà. Ah voilà, bah, merci de chez moi, tu peux rentrer. Merci de t'accueillir. Attends, deux secondes, quand je te dis que tu peux rentrer, t'es chez tout pied quand même, t'as la maison là. Ouais. On est parti. Excusez-moi. On va commencer. Il y a pas de siège comme ça, moi, les gens, ils rentrent comme ça, il n'y a pas de pantoufles. Ils rentrent comme ça, ils mettent ses croque-nous partout, là, marche, moi, il m'a fait le ménage, hein. Faut pas déconner, hein. Après, puis ma femme, elle est plus là, hein. Après, moi, elle est partie, je te reste, moi, j'ai vu comment. Monsieur, je suis désolé, c'est pas monsieur Bébert, c'est. Ah voilà, donc t'as fait ma perche. C'est très très joli. Ah oui, ça me très bien, c'est tout neuf, hein. Ouais, voilà. Ouais. J'ai refait il n'y a pas si longtemps, hein. Ouais. Voilà, mon petit coin, mon petit lit. Ah ouais, j'ai 2-3 bricoles parce que bah, je toi bien, je bricole la voiture, alors j'en mets là, j'en mets là en bas, après pour monter comme ça, et puis ah, puis de toute façon j'ai pas besoin de mes trucs avec toi, qu'est-ce que tu veux dans ton arrêt là? Oh, je t'en tout leur dire. Ah, tu vois, quand t'es prêt, t'as balancé les cacatons. Ouais. Cacatons, tu vas. Cacatons. Ah, jette. Ouais. Attends, j'apprends, t'as pas un autre. Comment tu fais? Cacatoff!
Et en fait, tu dois toujours prévenir Kakatov et après tu jettes, c'est ça? Faut prévenir parce que si t'as un gilet jaune qu'elle vend, forcément, ça va pas être bon pour lui. Hein. Il a plus le cacatou, hein, je te le dis, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu comptes arriver à quoi en balançant de la nature et ça reste? On peut pas parler, hein, on lui explique les choses, il croit tout connaître, ces gens-là. Mais c'est des journaleux, hein, c'est pas vrai. Hein. Oui, ta tête, tu prends, je dis, je t'explique, tu prends. Kakatov! Et voilà, tu jettes. Mais tu préviens. J'ai bien compris, mais. Pas devant, gilet jaune. Kakatov! D'accord, fini. Et tout, c'est pas. Ouais, mais ça sert à quoi au final? Parce que c'est quoi tes revendications? C'est à part balancer de la merde sur les CRS. Ah ouais, mes revendications, du fric, du pognon. Moi, je peux m'acheter la peinture. J'aimerais payer quand même un moteur pour ma voiture, tu comprends? J'ai une Clio. C'est pas de la merde, hein, Clio. Attention, c'est pas de la merde. Voiture de sport, ça. Après, voiture de sport. Les sièges, ouais, un petit peu bouffé. Oh, tu mets un petit tissu, tout va bien. Moi, c'est tout ce que je demande. De scotch? Ah, du scotch? Non, c'est pas bon pour les sièges. Non, ça colle pas. Ah, d'accord. Non, parce que j'ai pas siège cuir, moi. Non, non, je voulais l'option siège cuir, mais à cause de Macron, hein, je peux même pas me payer les sièges. Je sais alors voilà, moi je porte le gilet jaune. Vraiment, maintenant. Toute une vie, ça, le gilet jaune, mon ami. Parce que c'est ça que tu comprends pas. Oui, non, mais parce que je suis à peine arrivé. Alors là, j'ai commencé à faire un trou pour mettre l'interrupteur, parce que je vais mettre la lumière aussi, tu vois, regarde. Ouais. Là, tu connais quand même un peu. Tu connais quand même un petit peu en plomberie. Parce que. Voilà. Alors je fais de la boîte. Là, ma plomberie, tu vois. Oui. Là, j'ai fait le trou. Ouais. Comme ça, je mets du bouton. Et après, tu passes le fil. Il est là le fil, tu vois. Ouais, ouais, ouais. T'as la lumière. Voilà comme ça que ça se passe. Ah, mais c'est bien. Et bon. En tout cas, moi, il faut voir qu'il commence à me gonfler. Hein. Parce que là, Macron et tout, là. Ça. Ouais, Benalla et Brigitte Macron, Macron-Benalla, je sais plus comment, Castagnette, machin, ça commence vraiment à me pomper le cul, hein, je le dis tout de suite, hein, en étant poli, hein, parce que je reste poli quand même, hein, j'ai là depuis tout à l'heure, je me retiens, hein, tu sais que ça commence, ça commence vraiment à me gaver, hein, ça commence à m'énerver, là. J'ai resté tranquille, en plus j'ai pas vu l'apéro, ça sonnait la cloche, là ça commence à me gaver, je te dis, j'ai pas fait le moteur, non, j'ai pas de sèche-cuir, à cause de qui? À cause de qui? Mais je te dis tout à l'heure, tu vas répondre, je te demande, à cause de qui? De Macron. Voilà, ouais, ouais. Mais il faut suivre aussi quand on te parle. Parce que depuis tout à l'heure, je t'explique ma vie. Et non, le mec est là, il filme comme ça. Ouais, normal, tout là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ma vie. Faut écouter un peu, non? Ouais, bon. Ouais, bon, bah, tu vois, parce que ouais, quand on parle de ça, tu comprends là, pas. Là, je vois que vous avez un rideau ici à ce niveau-là. Est-ce que on peut rentrer dedans ou pas? Après, il me dit comme ça, c'est pas bon. Dans la pièce à côté. Ah, après, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Monsieur Weber, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a derrière le rideau, là? Je vois qu'il y a un... Non, t'en rentres pas. T'en rentres pas derrière le rideau, t'es interdit. T'en rentres pas ici. Tiens, je veux pas que tu rentres ici. Là, je veux dire, ça, ici, tu n'y vas pas. C'est chez moi. Là, t'es terminé. Ah, regarde, non, c'est bon. Là, t'en rentres pas derrière le rideau. Voilà, ça, Non, pas de problème, on n'entre pas. On ne rentre pas, Kakatov. Kakatov, je rigole pas. Non, mais me balance pas des Kakatov. Ah, gentil, hein. Ah, gentil. Ah, bien gentil. On est bien là. On est pas bien là. On est bien là. On passe là. Avant de voilà de passer là, ici, on passe pas. Et pourquoi on peut pas aller de l'autre côté? Non, c'est à moi. Non. D'accord. C'est comme ça. Bon, on va passer de l'autre côté pour voir. Non, on passe pas de l'autre côté. Non, il y a raison, on ne passe pas ici. Ça, ici, c'est interdit. Et là, c'est fermé. Hop, là, c'est fermé. Et puis là, c'est fermé. Voilà, là, c'est fermé. Là, voilà. On passe pas. Eh bien, on ne peut plus passer, c'est fini. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dis, j'ai mon fils? Et qu'est-ce qu'on va se faire un petit peu? Alors, là, en fait, tu vas manger. Avant de à bouffer, là, je vais faire la gamelle. Tu te couches tard, en général? Des prunes. Tu te couches tard, en général? Ah, ça dit pas les jours. Je me cache pas tôt, tard, en général, non. Et vous couchez tard, en général, ou pas? Ah, ça dépend des jours, non. Je me couche pas tard, en général. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je me couche pas tard. Et tu te couches tard, en général? Non, il y a des jours où je me couche pas tard, en général. Mais en général. Vous couchez en général? Non, putain, mais t'as pu voir. Ah, j'entends tout ça, je suis dans le jardin, mais qui sont tu après que tu vois, tu m'en serais, regarde, c'est moi, toi. Mais pas plus faire les armes marron. Ni la voiture, ni les sièges en cuir. Et là, j'ai putain de Macron. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que tu as dedans? Après, t'as dans le jardin, moi, je suis là, bah,
Alors tu manges quoi du coup ce soir? Bon, ben. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, avec un barbecue. Un barbecue avec les gilets jaunes. Ah, d'accord. Ah, tu veux, comme les gilets jaunes, dans la plat, on a un barbecue. Elle a dit. D'accord. Attends, okay. je t'emmène. Okay. Ah, j'ai acheté les saucisses. Les saucisses. T'as vu les saucisses? Ouais, t'as t'as mangé du cochon? Ouais. Un cochon. Bah ouais, ouais, pas de problème. Hein. Je chaîne le cochon à pour deux secondes. Donc vous m'invitez à manger? Ah, je chaîne le cochon à pour deux secondes. Ok, bah ça je vais pas filmer parce que c'est peut-être un peu. C'est un cochon! Ouais, d'accord. Tu veux pas de cochon? Je vais m'engager avec deux lits ici. Hein. Moi je te dis, stop. Ah, je t'invite. Ok, bah c'est gentil, merci. Bien. Bon bah. Allez, on y va. Place au repas. Allez, on y va, on y va. Ah. Ah, c'est le feu. C'est le feu. Ah, le feu, c'est notre feu comme le feu des gilets jaunes, quoi. Parce que c'est chez nous, tu vois. Putain, je suis vraiment grand, mais la gueule. Ah ouais, faut pas te rapprocher trop près, hein. Ah. Ah, c'est pas grave. Tu t'approches trop près, c'est ça le problème. Non, c'est bon, c'est bon. C'est hein. Que le feu, ça crame. Hein. Ah, faut pas s'inquiéter. C'est un peu des gilets jaunes. C'est un peu comme ça, ça marche bien, tu vois. Ah, ils mettent 2-3 braises là-bas, par là-bas, là. Et qu'est-ce que tu penses que, t'as bien là, je vois que ça crame bien. Et ouais. Comment ça se fait que ça crame autant, par exemple, pourquoi est-ce que... Et imagine que le feu des gilets jaunes. Si t'avais dans le. C'est le feu des gilets jaunes, tu vois, c'est un feu comme le feu, donc voilà. Et imagine par exemple si pour parler dans tu peux prendre ton braquet et tout, toi t'en penses quoi d'un point de vue global? Oh bah t'as que temps, dans le point de vue global, moi j'ai que quand on commence à la fin, je fais comme ça, bon. Ah, ça joint comme ça, c'est en dans tout cas, les tonneaux, les gens. Merci de m'avoir invité. Après, bon, tu vois, on a tout. Bon, dans les caches machin. Eh, mais t'écoutes pas comme ça, toi. Bah, je suis en train de te raconter encore tes conneries. Sans arrêt. Tu m'écoutes pas, tu me coupes à chaque fois la parole, ça commence à faire. Ah, t'as un coup de gueule, t'as raconté, t'as raconté ça. Monsieur Bébert, j'avais une question à vous poser. Ah, j'ai rigolé. Ça me craque, mais ça me craque. Oh, t'as travaillé, je vois. Bah, ouais, fou. Le feu, ça brûle. Ah, j'ai rigolé. Putain. C'est compliqué. Donc, tous les samedis, ça crame un peu de cette façon-là. Tous les samedis, ça crame. Mais c'est bien. Samedis, comme ça, les feux, là, avec un top. Que ça crame tout le temps. Ah, si, on est gilets jaunes. Ça ne changera pas les choses. C'est pour nous, hein. Nous, on est pacifiques, hein. T'es pacifique? Ah non. Mais alors, vous êtes pacifique? Ah non. Nous, on est pacifique, hein. Mais est-ce que t'es pacifique? Ah non. On est pacifique, nous. Nous, pas de bordel, hein. Non, on est pacifique, nous. Ah non. Mais est-ce que vous êtes pacifique? Ah non, nous on est pacifique. Nous, pas de merde. Donc, toujours pacifique, toujours là. Pourquoi il y a autant de morts, de blessés, ça crame partout, tout le temps? Les médias. Il y a des morts, il y a des blessés, ça crame. Mais non, c'est les médias, mon ami, c'est les médias, Il y a même des morts. Après, ils ne comprennent pas. Mais là, ils croient que c'est les médias, mais après, les médias vivent tellement la tête des gens. Après, les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils disent, c'est pas vrai, c'est une connerie. C'est Macron qui dit ça. Nous, c'est pas vrai, nous, gentils, pacifiques. On est très gentils. Moi, je te fais barbecue. Faut gentil. Moi, je suis sympa. Moi, je te fais visiter mon baraque. Je suis sympa, c'est mon moteur. Non, mais pas, il n'y a pas de mort, là. Non. Ici, il n'y a pas de mort. Ah, mais sur les manifs, il y a des morts. Gilets jaunes, on est sympa. Non, on est sympa chez nous. Non, il n'y a pas de mort. C'est pas nous, hein, qu'on fout la merde, hein. C'est Macron, hein. Parce que là, il envoie sa police à Deval, hein. Il commence à. Après ça, commence à nous merder. On va commencer à balancer les cacatoves. Il n'y aurait pas à s'emmerder comme ça, les conneries, non? C'est comme ça faire. C'est pas nous. Nous, on se gazer la gueule. Et voilà, on veut pas se gazer la gueule. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Nous, on est pacifique. On est gentil. Allez, gentil. T'as un bon pantalon. Ah oui. Ah oui, ça, c'est le copain gilet jaune qui m'a donné. Elles sont sympas, hein. Enfin, j'étais avec mon frère Gilles. Comment t'as fait pour... Ah, il montait mon billet là-bas. Ouais. Il voulait péter l'Elysée. Ouais. Attends, imagine le travail. Il voulait péter l'Elysée. Il a pété l'Elysée, on se l'est pris sur la gueule. Comment tu veux péter l'Elysée? Il a pété l'Elysée, il a été à la barre à mine, au marteau. Attends, il t'a fait comme ça, avec le virin. Il a complètement pété le barre à mine. Ouais. Et après, il y a un temps, tu m'as roulé sur le pied. Et t'as eu une planche en bois. Allez, je marchais comme ça, avec une planche en bois, tu vois, dans mon pied, pendant 15 minutes. Attends, j'ai 15 galéré. Minutes 15 minutes, on verra bien 16. Il t'a cassé le pied pendant 15 minutes? Il m'a pété le pied, 15 minutes. Je marchais au moins 16 fois comme ça avec la planche en bois. Ah oui, non, mais les CRS sont vraiment violents. Très violents. Ils ont fait exprès? Non, ils nous aiment pas, nous, les gilets jaunes. Hein, parce que tu vois, nous, on se revendique. Nous, on a des revendications, nous, les gilets jaunes. Ouais, quoi, par exemple? Ouais, moi, je veux des chaises en cuir sur ma Clio. Je t'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais. Ma Clio toute neuve. Ouais. Et c'est en cuir.
Pourquoi j'irai pas le voir si gentil? Parce que je m'appelle pas Macron. C'est comme ça, t'as garanti que tu vas avec tout. C'est pour la vie. Les gilets jaunes pour la vie après. Ah ça, pas de soucis. Eh, t'as fait attention à vos cailloux quand t'es descendu, j'espère. Hein. Oui, t'inquiète ça, pas. Ça va chier. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Hein. Ah, tu me connais. Hein. Ah, ça va chier. Il est où mon caillou? Et il est là, par terre. T'as vu mon copain? Ça, chez lui, là, il est tout neuf. Nickel. Je t'ai montré tout à l'heure. Oui, et, tu m'as montré, je trouve que c'est de la merde. Non, hein, comment ça, c'est de la merde? Non, enfin, il est pas super. Comment ça, c'est de la merde? Non, mais il est pas super. Ah, là, tu dis que chez moi, c'est de la merde. Bah. Non. Il y a une belle grenouille. Il n'y a pas de la merde. Oh, ils connaissent rien. Rien du tout. Parce que là. Ah, hey, je vais te montrer quelque chose. Tu cherchais pas à faire ça. Ah, ouais, c'est cool. En fait, t'es athlétique, tu étais sportif, c'est ça? Ah, ouais, très sportif. Bah c'est les manifestations, c'est du sport en même temps. Faut courir hein, des fois hein. Quand tu te charges, faut y aller hein. Ouais. Là tu vois, t'as vu, il est beau hein mon truc hein. Il a les yeux bleus. C'est joli. La merde. Ah, j'aime bien, il a son pantalon. J'ai vu mettre un gilet jaune. Et il l'a déjà. Toi, c'était un ancien gilet jaune celui-là. Regarde, je te montre. Ouais. Regarde, c'était un ancien gilet jaune. Bah, je trouve que c'est de la merde. Non, c'est l'ancêtre des gilets jaunes. Ouais. Ils avaient déjà tout compris à cette époque-là. Ah oui, d'accord. Ouais, attention mon caillou, s'il te plaît. Ouais. Ah, ça fait rêver ce coucher de soleil. Parfois, j'aimerais bien tirer dedans pour qu'il me tombe dans les bras. Comme ça, je pourrais le garder pour moi tout seul. En fait, j'ai déjà essayé, mais... T'es un peu poète quelque part, quoi. Ah, je suis très poète, ouais. Toute chose est beau sur cette terre. En fait, c'est un peu la poésie jaune quelque part, quoi. Ah, tout à fait, ouais. Tain, la gueule Macron! Ah! En blague. Ah bah tu vois qu'avec cette fusion de grue, bah, ça c'est trop bon par contre. Hein. C'est le meilleur moment de la journée ça, quand tu casses la croûte comme ça, viens, t'as goûté du soleil. C'est quoi, c'est des olives? Ah c'est des olives, ouais. T'aimes pas les olives? Bah pas spécialement. Mmh. Et tu manges pas de noyau avec? Tu manges pas de noyau avec? Ah non, le noyau, ça se mange pas. Hein. Dans les cacatoves, après, ça fait des cailloux. Tu fais quoi avec une cuillère dans ton bout de bois, là? Ah, c'est pour trier le café. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Ouais, je l'ai vu, on a rien. Regarde-moi ça, quelle toute beauté! Regarde les pneus! Regarde les portes! Et je l'ai vu en arrivant, je me suis... Le capot est tout blanc! Putain, regarde! Ouais. Ah, c'est de la beauté. Ah, ça, c'est de la beauté. C'est une voiture de merde, non? Ah, t'es pas de la voiture de merde, non? Non. Regarde, ça, c'est tout beau aussi. C'est tout neuf. Ça, c'est tout joli, hein. Ça voit un petit billet, ça, quand même. Je trouve que ça ressemble à une voiture de merde. Ah, ça voit un petit billet, quand même. Ça, c'est la voiture à mon frère Gilles. Ah, ouais. Gilet jaune, hein. Ouais. On s'est douté. Non. Gilet jaune, ouais. Ah, bah, gilet jaune de père en plus. Ah, bah, regarde. Ah, le petit gilet jaune. À toute beauté, cette voiture, ça brille partout. Regarde-moi ça, les clignotants. Il y a les clignotants. Il y a les rétros, regarde. Les rétros. Oui, on a même mis du parpaing dedans. Ça sent bon dans la voiture. C'est très beau. Ça, c'est une liche, ça, quand même. Regarde. Ah, c'est cette beauté. Ah, il s'en fout dans un état, ce bagnole. Oh, que tout un gueule. Oh, j'aimerais avoir la même. Oh, un dieu. Allez Gilles, bientôt, hein. Ouais. Ah, avec Macron, je ne peux pas me la payer. Bon, bah, on va bouffer. Allez, bouffer parce que... Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture. On va pas rester là toute la semaine. Oh, cette belle bagnole, un doux. Voilà, allez. Allez, je dis, ça va. Elle est magnifique, cette voiture. Hein. Moi, j'ai jugé. Moi, un jour, j'en aurai peut-être une. Si on gagne avec les gilets jaunes, je m'en achète une. Ouais. Bon. Et là, tu vas te bouffer? Bah, je vais t'enfiler une, mais ouais, je vais manger. Ah ouais, bah, là, t'en as un paquet, tu m'as réservé. Ah, tu vois, parce que. Ah, faut que je sois en forme demain, tu vois. Alors, c'est pour ça que j'ai tout mangé. Je t'en donne une, quand même. Mais là, tu vois, regarde, j'ai fait des boulettes de cacatov. Ça, c'est pour demain, tu vois. Demain, c'est la castagne. Là, tu fais chauffer ta donc, mère. Faut que je sois. Ouais, faut que je sois caché, patron. Faut que je sois couché pour. À 20h31, faut que je sois au lit. Parce que demain matin, je me lève de bonne heure. À 10h du matin, je suis debout, hein, parce qu'il faut prendre la route. On rejoint les collègues, là, gilets jaunes, tous les amis de la famille, plus rien, tous les gilets jaunes, c'est gilets jaunes. Parce que Macron, avec Macron, Macron. Ouais. Macron. Voilà. Macron. Allez, demande Macron.
Là, je suis Macron. Pourquoi vous répétez Macron tout le temps? Macron. Là, je suis Macron. Macron, on vient attacher à contre Macron. Macron. Ok, bon bah. Macron. Alors donc. Je vais vous couper, on va me coucher. Comment? Macron. Macron. Je sens que tu essaies de communiquer, de me dire quelque chose. Allez, Macron. On va manger. Ouais. Macron. Et puis en tout cas, là, on voit que tu commences à décliner. Mais cacatom. Tu commences à être fatigué. Qu'est-ce qu'il fout, mon cacatom? Ça, je ne reviens plus. Ça, c'est un Macron. Ça, c'est vous. Ah, bien manger. Macron. Macron. Bien vu, sûr. Demain, ça va castagne. Et castagnière. Ça va. Ah, pas de la même, d'ailleurs. Je suis fatigué. Bon, bah, allez. Allez, me coucher parce que là, c'est quelle heure, hein? Ouais. C'est déjà l'heure. Ah, dans une minute, faut que je relis, faut que je mange ça avant. Ouais. Allez, me coucher. Parce que demain, 10h. T'en mangeras une quand même. Bon, laisse tomber, je te laisse. T'en donnerai une. Ah non, faut que tu manges. Là, il y a du boulot. Tu vois. Tu vois comment ça se passe chez nous. Les gilets jaunes. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée, puis je te dis à demain, fidèle au poste. Ok. Ouais, c'est de bonne heure, 10h. Ça roule. Ouais. Ah, bébé. Ouais. Bonjour. Ouais, très occupé. Ça fait une heure que je vous attends. Ouais, mais ce que j'ai, pas que t'as à faire. Hein? Ah, ben moi aussi, j'ai des occupations. Hein. Ouais, mais ça fait une heure que je vous attends et du coup, c'est pas grave. Bon, on va y aller, je vous suis. J'ai des occupations. Hein. Moi, j'avais le moteur à refaire hier. Hein. Ouais. Mais signale quand même que j'ai dû me taper toutes les côtelettes. T'as rien bouffé. Bon, bah en tout cas, voilà. Ah, mais moi, je te dis juste comme ça. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai eu la jaune. Ah oui. Les jaunes, donc, en fait, tu veux dire que comme t'es gilet jaune, t'es plus occupé que les autres. C'est moi, je suis plus occupé que les autres parce que je suis gilet jaune. Ouais, d'accord. On a du travail, hein. Genre, t'as quoi à faire, par exemple? Ouais, gilet jaune. Ouais, d'accord. Ouais. Mmh. Ouais. Voilà, quoi. C'est de bonjour. C'est l'occupation, ça. Par la puissance du gilet jaune ancestral, je détiens la porte jauniste. Et alors là, t'as pas ton gilet jaune avec toi? Ah, faut pas se faire emmerder. Attends, les malins, pas con, hein. T'as te retrouvé derrière le barreau. Ah ouais. Il est où votre gilet jaune? N'inquiète pas. La personne. Ouais, c'est pas du terrain, je t'ai du bel cours. C'est pas derrière les panneaux. Et là, puis le mec, sa caméra, il regarde pas la route. Et comme je te l'ai dit, je te suis, moi. Ah bah, si on suit. Je suis longtemps. Hein. Ouais. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez la rue des Gilets jaunes? Non? Ouais, s'il vous plaît, vous connaissez la rue des Gilets jaunes? Non, ils connaissent pas. Personne ne connaît. Oh, la barbe. Et vous croyez que vous êtes bien placé pour vous foutre de la gueule du physique des autres? Ah, moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais un Apollo. Hein. Un Apollo? Ah ouais. Ouais. Ah, elle m'a dit, il a brisé des cœurs. Et t'en as brisé des cœurs? Ouais. C'est par où, là? Ah, mon Dieu. On est bien coincé. On est dans la gare. C'était le con, quand on marchait à pied. On est obligé de traverser. Allez, on y va. Ouais, ils connaissent pas, il n'y a pas de rue, ça n'existe pas ici. Hein. Mais en fait, c'est pour la première fois que tu viens ici? Bah non. À chaque fois que tu te perds, en fait. Bah non. Et en fait, à chaque fois, vous cherchez l'endroit. Tu as tombé sur la famille, tu verras. À chaque fois, vous cherchez l'endroit? Ou pas? Ou vous connaissez l'endroit? Est-ce que tu connais l'endroit? Entendu? Là, c'est tout à fait ça. Ça y est, on y est. On y est, on y est. On y est, on y est, on y est. Ouais, ils sont là. Alors, où est-ce qu'ils sont tes copains? Ouais, ils sont dans les champs. Hein.
Ils sont où? Ils ont oublié le rendez-vous peut-être, non? Hein? Ouais, c'est vachement bien organisé en tout cas. Ah ouais, on va pas, parce qu'on peut pas faire mieux. Ouais. Ah tu verras. Parce qu'en fait vous prenez pas rendez-vous entre potes, amis gilets jaunes, non? D'accord. Ouais, c'est la famille. Ouais, ouais. Ah, j'ai été sûr. T'as jamais vu ça. Mais t'as... La statue de la liberté. Ouais, ouais. Bon, on est à Lyon, là. Ouais. D'accord. Et t'as pas l'air super énervé pour un révolutionnaire. T'as l'air moins énervé qu'hier. Pacifiste. T'es pacifiste, ouais. Ah ouais. Là, je viens dormir. Et pourquoi tu veux pas y aller, là? Pourquoi tu restes assis? Ah, je suis pacifiste. Non, mais pourquoi tu restes assis? Oh, je fais une petite pause, tranquille. On n'est pas pressé par les événements, hein. Ça va arriver, ça va arriver. Comment? Ça va arriver, on n'est pas pressé par les événements. D'accord. Attends, ils vont arriver. Mais là, il est que 16h, ils doivent être arrivés depuis un moment. Je crois pas. Ça va marcher. Si tu sais, tout à l'heure, je te payerai une barbe à papa. Merci. Ouais. En tout cas, t'as l'air d'être super heureux de retrouver tes amis. La famille, hein. La famille. Hein. Tu dis bonjour à tout le monde et tout, t'es bien là. La famille. C'est la famille, ouais. Ah, c'est la famille. C'est la famille. Et... Ça va? C'est la famille, les gilets jaunes? Ah, t'as un pote gilet jaune. C'est la famille, les gilets jaunes? Ah, ouais, c'est un pote, ouais. Ah, ouais. Attention à la voiture. Hein. Bonjour. Et pour toi, les gilets jaunes, c'est la famille ou pas? Moitié jaune et moitié jaune. Gilets jaunes, gilets jaunes. Ah, gilets jaunes. Écharpe jaune plutôt. Ah, c'est pareil. C'est pareil, c'est quelque part, c'est un peu. Ouais, quand c'est jaune. C'est petit signe. C'est petit signe, ouais. Ah, les gens, ils. Ah, ils évitent maintenant, je reviens avec tout ce qui se passe. Ouais. Jamais. Et alors, les gilets jaunes, ça représente quoi pour toi? La famille. Les gilets jaunes, ça représente quoi pour vous? La famille. La famille. Qu'est-ce que tu entends par la famille? Moi, gilets jaunes. Salut. Les copains, les gilets jaunes. Ah bah, alors on va où là? On marche. Oh, non, marche. Mais, oui, je sais qu'on marche. C'est tout, c'est le marché. Bonjour, le marché. Et toi, t'en penses? Et tout le monde. Allez. Ouais, on est bientôt arrivé. On y est. On est plein dedans. Ah oui, sac jaune. Allez, écharpe jaune, gilet jaune. Écharpe jaune. Et ça, du coup, c'est des amis en quelque sorte, c'est ça? La famille. La famille, ouais. La famille, la famille. Et ils le savent que c'est de la famille ou pas? Ah oui, oui, ah, bien sûr. On se connaît depuis. Écoute, moi, quand je te parle, toi, il y a 10 jours. Hein. Ouais. Moi, je t'ai dit hier déjà. Ouais. Ah ouais, je m'en rappelle bien, c'était hier. Ouais, ouais. Et... Oh, putain, qu'est-ce que c'est que bordel? Ah, ça y est, c'est RF. C'est même pas dans la merde. Pas du tout, non. Bah non, parce que réfléchis un peu, pardon, dame. Vous faites poli quand même, tu dis pardon, hein, dame? Ouais. Alors là, ils sont où tes amis gilets jaunes? Parce qu'on a vu
effectivement les camions de CRS, là on les voit, mais ils sont... Ah, je te dis, tu vas sentir le parfum dans pas longtemps. Ouais. Ah, c'est la couchure. Eh, t'as là, t'as pris une gilet jaune. T'as pris une gilet jaune. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, hein, on est arrivé. Voilà. Tu les connais, Hill? Oui. Tu sais qui c'est, Hill, quand même, quand je te parle de Hill? Oui, oui, bien sûr. On est très bien. Mais c'est qui, Hill? Voilà. C'est Hill. Hill. Oui, oui, d'accord. Voilà, tout de suite, c'est plus clair. Moi, quand je te dis des choses, tu comprends tout de suite avec moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y a la Tour Eiffel, tu vois, elle est là. C'est ça? La Tour Eiffel, là-bas. Ouais. Ah, ouais. Ah, t'as la Tour Eiffel, et là, t'as Montmartre. Voilà. Ils t'aiment bien? Ah, c'est les copains gilets jaunes. On a fait la manifestation hier. Ouais. Salut, les gars! Ils savent pas, hein. On leur dit que c'est la famille, ils comprennent pas. Ouais, la famille. Ouais, ouais, c'est la famille. 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 Ah, Macron de je le dis maintenant, viens. C'est bon. Tu vois, viens Macron maintenant, octogone sans règles. Voilà, merci. Ah, ça va passer où, monsieur? Ça va passer où? Internet. Voilà, allez. Ah, Macron, viens, je te. Viens Macron, viens Macron, viens maintenant. Voilà. Il est passé sur la musique, ils sont là-bas. Ouais. C'était quoi l'ex? Ah, c'est la famille, hein. La famille, ah oui, oui, c'est la famille. Ah oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Ça sent. En fait, on dirait que t'as l'air content que ça pète. Ah non, 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 mais il faut quand même un moment ou un autre que ça pète. Il faut que tu comprennes que la vie c'est plus possible. Oui. Oula, t'es en train de nous entourer. Moi je te dis qu'après, tu vas courir vite. En disant, on va comprendre. Salut. Elle gueule en travaux, la dame. Le chien, il a peur. Hein. C'est toi qui lui fais peur? Ah non, non. C'est CRS. C'est beau, ça. Ça, c'était beau, ça, c'est sûr. Les pigeons. C'est l'emblème des Français, ça, le pigeon? Ah oui, oui, tout à fait. Salut, les amis. Bonjour. La plupart ne te répondent pas, c'est normal? Ah, je sais qu'ils répondent. T'as pas remarqué qu'en fait ils vous répondaient pas du tout? Ben si, ils me répondent. C'est que parce que tu sais pas filmer, t'as rien vu. À un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui rigolait en regardant. Ah, parce qu'il me connaît. Et pourquoi il rigole alors s'il te connaît? Bah parce que, tu reviens, je suis une... Ça fait de marrer parce qu'il te connaît. Je suis une célébrité quelque part. Ah bon? Ah oui, oui, tout à fait. Pourquoi c'est toi qui dis bonjour à tout le monde et pas eux? Ah, parce que j'ai le respect d'autrui. D'accord. Tiens, nous, on est pacifique, gilet jaune. Hein. Oui. Pour un grand, hein. Ouais. Bon, on est à peu près. Il y a juste un truc que je comprends pas très bien. C'est un truc que je comprends pas très bien. Parce que tu comprends pas quand tu as une réticence, tu sais, après tu as raison, c'est tout ce que tu es. Bon. Mais derrière, après, quand tu commences à prendre des dans les rues, il y a un canard, c'est vrai. On a des trucs de rue Bélier, et derrière, il y avait tout le funnel. Après, tu n'as pas compris quand on a traversé comme ça qu'il y avait la CRS. Elle fait, hey, Macroniste ! Et derrière, vous rappelez, c'est un truc. Il ne faut pas chercher à comprendre plus loin. Hein. Mais tu vas derrière. Bah c'est pareil, tu appelles toi, tu arrives à rue Bélier. Ouais. Et toi, tu comprends pas. Oui. Explique. Ouais. Bah oui. Ah bah oui, c'est logique. C'est plus que logique. Ouais, ouais. Okay. Moi, j'ai du mal à comprendre quand même. Ouais, bah, moi aussi. Les médias disent des conneries, ils ont dit qu'ils allaient cramer les kiosques. T'as qu'à voir, c'est tout neuf. Ouais. C'est pas vrai, ils disent que des conneries. Faut pas écouter les médias. Alors, on va où là, concrètement? Ah ben, je traverse la route. Ah, d'accord. Ouais. Quand on perd la route. C'est quoi, c'est le
Dites-le oui. Ça fait chier. Tout à fait. La famille Gilets jaunes. Comment ? C'est la famille Gilets jaunes. C'est votre famille, ça ? Ah oui, tout à fait. On est nous unis. Voilà. Vous n'avez pas vos Gilets jaunes, quand même ? Ah oui, parce que ça. Vraiment. Ah, je préfère. Revendications ? Ah, on en a beaucoup des revendications. Nous, on veut un peu plus de pognon, on a envie de vivre. Tu vois, on nous appelle les cendants, j'aimerais bien me refaire les chicots, je peux pas. À côté de Macron. Vous faites toujours Aou. Vous faites Aou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est vainqueur, c'est nous qu'on va gagner. On va gagner quoi ? Je connais pas, faut le soir expliquer à ces caméramans. Tu vas gagner quoi ? Bah, la coupe. La coupe des Gilets jaunes. D'accord. Eh, c'est nous qu'on va les remporter. Eh, il va aller dehors, le petit Macron. Ouais. Ah, je te dis. Monsieur, vous êtes qui filmez ? Popcorn TV. Comment ? Popcorn TV. D'accord. Bon, c'est bien. Je vais te présenter. Okay. Et vous faites quoi exactement ? Je travaille pour BFM. Et là, vous cherchez le cortège, vous ? Oui. Et pourquoi vous le trouvez pas ? Bah, parce que je ne sais pas situer les choses dans l'espace et le temps en permanence. Ouais. On va marcher. Vous êtes très organisé, alors, à ce que je vois. C'est l'avenir des Gilets jaunes. Je savais déjà que j'avais vocation à finir Gilets jaunes. Ouais. Ça a donné un sens à ta vie quelque part. Ah, c'est tout à fait ça. Ouais. Mais ils font des constructions là ou qu'est-ce que c'est ce bordel ? Vous, tu viens me chercher en Ferrari ? Ça se voit que t'es un média, toi. Ouais. Tu dis n'importe quoi, hein. Je mens, en fait. Ah oui, tu dis que des conneries. Hein. Et puis tout à l'heure, on n'en voit aucun, quand même. Ah, moi, je crois que tu dis que des conneries. Hein. Ouais. Voilà. Allez, d'accord. Et ouais. Tu connais, celui-là ? Oui. Moi aussi. C'est Spider-Man ? Ouais. Non, Spider-Man. Lui, il connaît rien, en plus. Tu n'y connais rien en plus. Hein. Ouais. 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 Allez, salut. Ah, c'est un collègue à toi, ça ? C'est toute la famille, hein, de toute façon. Ouais. C'est... Alors, du coup, tu les la famille du ailleurs. Ah, regarde, tu vois pas, non ? Vous les jouez un peu. Ouais. Arrête de regarder sur derrière ton écran. Regarde, tu vois pas. Il y en a partout. Est-ce que tu les trouves, tes collègues ? Ah, ouais, on est tous là. On est tous là. Là, apparemment, il y en a de l'autre côté. Tu vois, ouais, on est tous là, ouais. Regarde, tu vois, là, voir ? Ouais. Les familles gilets jaunes. Tu vas rejoindre tes amis ? Ah bah ça, inévitablement. Ça ah là, c'est sûr, c'est l'amour, quoi. T'es content, hein ? Ah bah bien sûr, oui. Ouais, ah bah, content, tu vois, hein. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. T'as pas le retrouver la bagnole ? Ça, c'est pas gagné. J'espère que t'as noté le nom de la rue. Hein ? On n'est pas venus ensemble, t'as oublié ? Oui, oui, c'est pour ça que je te le dis. Ah. Oui, tes amis. Ah ouais. C'est parti. Ça pue un peu quand même. Tu sens pas ? Ça sent le pneu cramé. Ouais, je connais parce que sur ma Clio, c'était pareil. Alors, tu vois. Ah, ça sentait carrément pareil. Ah, c'est que ça pique. Là, ça pue. Hein. Viens là. Ah, ça pue là. Ça pique les yeux quand même, leur merde. Il y a une situation encore plus là-bas. Là, ça brûle. Hein. Ça brûle, hein. Ouais, qu'est-ce que c'est ce bordel ? On sent la race à nous gazer. Gage la famille. On s'en perd rien ou quoi ?
Ça pue, hein. Ah, ils sont tarés, hein, t'as vu ça? Ils ont complètement gâté la gueule, ces bandes de cons. À peine t'es arrivé, en fait, ils t'ont... Ah, mais ils m'ont vu, boum, hein, tout ouais, de suite. Direct. Ah, bah ils m'ont vu, ça a été fini, hein. En fait, comme si... Ils ont carrément gâté. Comme si, en fait, ils te visaient toi. Ah, mais ils me visaient moi, tout à fait. Ouais. Ah, je posais 2 minutes, hein, parce que... Ça va aller. Ah, je vais vous bouger, quand même. Ils m'ont gâté la gueule, bande de cons. Ah, pas non plus. Ils sont complètement tarés, ils nous gazaient, macronistes. Alors là, du coup, tu te retrouves un peu comme un con dans une rue parallèle, tout seul encore, là. Non, t'inquiète pas, hein, on est tous là. Bah, moi, je te suis, de toute façon. On est toujours là. Alors, tu veux faire quoi, là? C'est quoi ton programme? Tu rejoins tes amis les Gilets jaunes? Bah, attends, on vient se retrouver par-ci, par-là. Et où c'est qu'on va aller? Qu'est-ce que t'en penses si on passe par là? Vas-y, je te suis, hein. Ou on retourne là-bas? Ou on retourne là-bas, vas-y. Mais... Ouais, allez, vas-y. Alors, comment on y revient? Tu vas quand même rejoindre tes amis, c'est ça? Hein? Tu vas rejoindre tes amis? Ben, en fait, je veux voir surtout. Ils sont tous partis. Mais ça pique, hein? Oui. Ben, t'es habitué, non? Ah, ouais, mais bon, à force, on va voir quand même. Ouais. Tous les jours, à se regazer la gueule, les macronistes. En fait, à peine arrivé. Ils m'ont vu, ils ont gazé. En fait, une sorte de héros, mais pas longtemps, quoi, quelque part, d'un certain point de vue. Parce que t'arrives, tu repars, toi. Ah, je te rejoins tout à fait. Ouais. Ouais. Je suis un peu le capitaine flamme de la gilet jaunisse. Ouais. Ouais. Capitaine jaune, même. Capitaine jaunisse. Et là, pour le moment, je suis un petit peu jaune devant, marron derrière, tu vois. J'ai acheté un magasin pour gilets. D'accord. Voilà, c'est ici qu'on achète des gilets jaunes à 70% parce qu'on n'est pas trop riche. Ouais. Donc voilà, ben, c'est écrit dessus, hein. Liquidation totale avant le 2 juin, si t'en veux, hein. Dépêche-toi parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Enfin, on prend un peu plus que ça. Bonjour. Ah, je suis arrivé. Moi, je comprends pas de, quand je suis arrivé qu'ils nous ont gardé direct. Ah, mais je sais, ils vous attendaient. Ah, c'est quand ils m'ont vu. Ils sont complètement tarés, ces gens-là. Ils vous attendaient. Vous avez une gueule qui lui a pas plu, hein. Pourquoi c'est qu'elle a ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ah, ben c'est bon, que je vous dis. Hein. On va les rejoindre. Je sais bien que Macron, ils appellent les cendants, mais bon, moi, ils me donneraient des sous. Hein. Je me ferais réparer. Hein. Ouais, quand même. Pour le mordre. Mais, hein. Mais je suis comme. Ouais, exactement. Moi, j'irai dans une pharmacie chercher des sérums, là, parce qu'honnêtement, ils doivent. Vous en voulez? Non, mais si vous en avez en beaucoup, il faut vous en donner. Tenez. Honnêtement. Non, mais c'est vrai? Allez. Il faut que vous preniez vos précautions, d'habitude. Je suis pas venu pour manifester, moi. Ouais, mais vous êtes dans une révolution, c'est pas une manifestation. Donc ça pète, il y a des blessés et tout ça. Attendez, on n'est pas. Bah, vous le voyez bien. Ouais, s'il y a des morts, vous des blessés. Vous filmez pas, là? Bah si, tout le temps. S'il y a des morts, s'il y a des morts, des blessés. Non, c'est rouge. S'il y a des morts et des blessés, c'est que c'est une révolution, c'est pas une manifestation. Tout à l'heure, il y a une personne, elle a même pas voulu nous laisser rentrer, elle nous a insulté. Bah, voilà. Elle a raison, la dame, regarde. Non, mais attendez, je lui dis, mais si c'était, si on était poursuivi par les Vosges, vous feriez quoi? Ben, ils courraient vite. Tes collègues ont conscience que c'est une révolution et pas une manifestation? Non, c'est une manifestation pacifique. Alors vous êtes pacifique? Ah ouais, très pacifique. Mais pourquoi il y a autant y a des morts et des blessés si c'est pacifique? Non, y a, c'est non. De la faute des CRS. Ça, c'est les médias qui disent ça. Comment? C'est les CRS qui foutent la merde. Toujours? Ah ben, vous, non. Tu vois bien, on est avec des gens gentils, ouais. Sans arrêt. Et puis ils sont en train de nous balancer de la merde dans la gueule, en train de nous gazer. Faut quand même pas déconner. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Bah parce qu'ils nous aiment pas. Et ils nous laissent même pas les marrons. Quand même pas déconner. Par contre, les lacrymos, ça, ils nous les distribuent. Hein. Alors eux, tu envoies là, boum boum. Ouais, mais ils le font pas par hasard. S'ils le font, c'est parce que. Ah ben, parce qu'ils nous aiment pas. Alors, on fait pas chier, on est pacifiste. Pacifiste? Ouais. Mais je me posais une question. Est-ce que vous êtes pacifiste? Oui. On est pacifiste, gilet jaune pacifiste. Nous, on est là pour montrer qu'on est gilet jaune. Ça m'amène sur une autre question. Est-ce que vous êtes pacifiste? Oui, oui, tout à fait, mais c'est parce qu'on est gilet jaune. Vous voyez, nous on n'est pas comme les CRS, non, il est pacifiste. Ouais, je comprends. Et ça m'amène du coup vers une troisième question. Est-ce que vous êtes pacifiste? Ben alors, on est gilets jaunes, nous on a toujours été pacifistes. Hein. Ouais. Ouais. D'accord. Merci. Mais par contre, moi je te dis qu'une chose, ouais. C'est qu'en tant que gilet jaune, moi je suis pacifiste. Ah putain, on peut pas y aller, regarde mon chat. T'as vu ça? Ça gaze. Ils ont gazé, ça pique les yeux. Mais pourquoi ils y vont?
Je sais pas, j'étais pas, mais là ça pue. Hein. Ils savent pas que ça a gagé. Ah non, mais là, une écharpe, elle est pas bête. Eh oui, un cerveau. Les gens commencent à venir. Tu vois, ils reviennent du coup. Ah, tu vois ce que je t'ai dit. On va écouter. Ah, ça pue. Ah, faut qu'on se barre. Non, faut qu'on se barre. Les jus. Oui, le vent, il vient par là. Il vient par là. Hein. Bon. Tu vois, même la dame, elle intelligente. Ah oui, oui. Il faut être con quand même. Vous voyez ? Voilà ma pancarte, moi. Alors, 87 ans, Manu, je... Et on ne lâche rien. On ne lâche et rien. On ne lâche rien. Rien. Ah où ? Ah où ? Oui. Pourquoi, pourquoi, monsieur ? Parce que j'ai 687 euros par mois. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ça pour manger ? Ouais. Mais je suis toute seule, je suis veuve depuis 29 ans maintenant. Voilà. C'est une reversion de mon mari, c'est pas une retraite, ouais. Parce que je suis veuve. J'ai élevé 5 enfants, et mes enfants, ils sont dans la mise plus que moi. Vous croyez vraiment que la manifestation, enfin, la manifestation, c'est plus qu'une manifestation, parce que là, au vu des morts et des blessés que ça occasionne, on est plus dans une révolution. Est-ce que vous croyez vraiment ça approche, que, hein. Bien sûr, est-ce que vous croyez vraiment que le système n'a pas tout organisé, que en fait, ça fait le jeu du système, tout ça? Est-ce que la révolution, les guerres, tout n'est jamais organisé à des fins politiques, à des fins politiques, bien à des fins économiques, et qu'en ça ferait peut-être le jeu de l'adversaire que de se rebeller? Oui, bien sûr. De toute façon, les guerres ont toujours été organisées par les gouvernements, il faut le croire. Hein. Avec mon mari, on a fait 68 délire. Déjà. Hein. Là, ça pue. Oui, bah, vous voyez, tous les gens, ils viennent par là. Vous devriez tourner par là, monsieur, dame. Parce que le vent, avec les gaz, on a essayé l'autre pour la chasse. Ben oui, c'est pas bon. Ah putain, hein. C'est pas bien. Il faut éviter de sortir le samedi quand il y a des... Et c'était déclaré, hein, le pire. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour une manifestation déclarée, bravo. C'est vrai. Voilà. C'est toujours pareil. Déclaré, t'avais vu, hein. Dès qu'ils me verront arriver, ils vont gazer, je le savais. Alors pourquoi ils gagent? Ouais, tout à fait. Dispersé. Voilà, pour disperser. Ah oui, c'est pour disperser. Alors, on peut avancer, c'est plus on mieux. On peut avancer, peut-être. Ah, ouais. Faites attention sur ce que... On va balancer un cacato, j'en vois. Alors, t'arrives pas à rentrer dans la manifestation, là, hein? Ah non, c'est impossible, dès qu'il me voit, il me gaz. On voit tout le monde courir. Ah, dès qu'il me voit, il me gaz. J'ai même pas pu mettre le gilet jaune, puisque là, je me fais matraquer. C'est quoi? C'est à cause de vos dents? C'est à cause de quoi? Ah non, parce que je suis connu. Ouais, et puis vous, ils nous voient au loin, en fait. Ah, ben, ils nous voient partout. Ouais, c'est là qu'il faudra aller, en psychiatrie. On a toujours... Ils m'ont toujours traqué. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis je crois que les cacatops, ça les a... ils ont pas aimé. Ah, ils ont pas aimé. Maintenant, quand tu me vois, boum, ils gazent. Ça, c'est pas juste, hein. Ouais. Ouais. En fait, tu peux plus balancer les cacatops tranquillement, c'est ça? Non, mais de toute façon, moi, je suis gilet jaune, on est pas si plus, hein. Alors, monsieur Bébert, du coup, là, vous arrivez à rejoindre... le cortège? Difficilement, hein. Il a fallu se créer quand même des passages, un peu comme une souris, quoi. Dans pas longtemps, tu auras le carnage. Tout est bloqué. Tout est bloqué, hein. C'est même pas la peine d'essayer. Regarde. Les gilets jaunes motards. Les gilets jaunes motards. Ouais, les gilets jaunes, vous enculez. Que tout le monde se barre. Là, hein. Ah, on a bien l'impression qu'en fait, c'est mieux qu'on parte leur voiture. On part de l'autre côté, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu sais pourquoi? Non.
parce que ça pue l'encerclement. Ouais. Pour que tu es habitué alors. Ah, je te le dis tout de suite. D'accord, donc toi tu fais l'inverse. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. En fait, tu vois les gens, c'est l'idée qu'on est des moutons. Ouais. Il ne faut pas être un mouton. Ouais. Quand tu vois ça part d'un côté, tu pars dans l'autre sens. D'accord. Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Il les laisse passer. Il laisse passer. Ouais. Il les enchaîne. Ouais. Et boum ! Là ça fait tout la castagne. Là je te dis, c'est la castagne après. Ah ça c'est sûr, t'es tranquille. Hein. Après, c'est la merde. Ouais. Et après, ça pique les yeux, comme tu as vu tout à l'heure. Hein. Tu as vu, ça pique les yeux. Là, c'est pas des conneries, hein, ce que je te dis. Moi, il faut m'écouter quand je te parle comme ça. Bon. Ouais. Toute ta famille, elle est là-bas. Du coup, tu veux plus t'approcher, c'est ça? Ah, si, mais... On passe par là. Le truc, c'est qu'après, ça pue, quoi. Ça pique les yeux. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Du coup, là... Il y a Robocop. Là, tu vas jamais voir les CRS? Ah non, non, non. Pourquoi? Hein, qui a baisé ma femme. Il a baisé ta femme? Ouais, ouais. Merde. Faut perdre... Ouais, pas, on passe là-bas. On passe là-bas. Bien. D'autre côté, sinon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, tu vois. C'est toujours bon enfant, parce qu'on est pacifique, nous, les gilets jaunes. Mais en fait, t'arrives pas à rejoindre le cortège, là? Non, non. Depuis tout à l'heure, ils veulent me gazer. C'est incroyable, on n'arrive pas. Ouais, parce que là, vraiment, ils te cherchent. Ils sont là, ils veulent nous gazer. Alors, je veux bien être gentil. Ouais. Là, je veux bien être gentil. Alors, tu veux aller où maintenant, du coup? À part, je vais me prendre des gaz. Ah, tiens, regarde. Ah, je te dis, tu vas voir. Tu vas voir qu'on va y avoir droit encore une fois. Ça, c'est à tous les coups. Hein. Regarde, tu vois bien. Je vais d'un côté, il bloque, je vais de l'autre côté, il bloque. Partout où ça vous suit. En fait, je dis que ça c'est les collabos. Ouais. Ah ça c'est sûr. On ne peut pas passer là, c'est pas possible. On va être bloqué. Tu verras. Tu verras ce que je te dis. C'est là qu'on voit que. Tu vois, il y a quand même un sacré malaise. Hein. Il y a quand même un sacré malaise en France. Hein. Ouais. Ah oui. Tu vois, pas raconter que des conneries. Quand on nous gaze, tu vois, c'est quand même ben, pas de notre faute. Ouais. Tu vois. Ah, t'as les copains. Ah, t'es les copains CRS. Ah bon? Ouais, c'est celui qui baisait ma femme, Ginette. CRS. C'est tout pour moi. Les CRS, on se barre là. Ah, je sais pas, je pense que c'est parce qu'ils m'ont vu, tu vois. Ils ont un peu peur. Tu leur fais peur? Ouais, parce que je balance des cacatoffes, tu sais, des potes, toi. Ouais. Ah, c'est un petit peu ça, tu vois. Ça, c'est ta manifestation? Ouais. Tu manifestes comme ça? Ouais, c'est moi. Ouais. C'est ma vie. Tous les jours, tous les samedis. Et ça va changer les choses? Ah, tout à fait. Ah, tous les samedis. D'accord. Tous les samedis, ça change les choses. Ouais. Ouais. Voilà. Tiens, regarde. Là, je t'en parlais. Là, c'est la preuve. C'est les cacatoves. Tiens, c'est les cacatoves qu'il y a eu. C'est la merde, ça. Ah ouais, c'est les cacatoves. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, la bouteille a dû taper là-dedans parce qu'elle a vu très bien. Ah ouais. Que sûr. Ouais. J'ai toujours raison. On va essayer de retrouver le cortège. Ouais. Parce que là... Ah, je sais pas ce qui glande. Un pays à rien foutre, comme d'habitude. Tu veux pas retourner dans la révolution? Ah bah si, mais faut trouver. Le problème, c'est tout dispersé, on sait plus où c'est qu'on habite. D'accord, en fait, les CRS, on vous ont dispersé. Exactement. Toi, t'as même pas pu rentrer dedans, c'est ça? Ah non, ils m'ont vu. Ils ont commencé à gazer. Comme d'accord. D'habitude. En fait, ah tiens, un collègue jaune. Ça, c'est vrai, c'est bon. Ouais. Bon, ah tiens, tu vois? Et on va. Et c'est du sport, ça fait de la marche. Hein. Exactement. Oh, ça va encore. Exactement. Fait pas trop de marche. Hein. T'as marché? Moi j'ai pas marché, hein. Ça va. J'appelle pas ça marcher, parce que chez nous, quand on monte dans la montagne, c'est pareil. Hein. Dire un truc, t'appelles ça petit, comment alors? Quand je vais au champignon, là ça c'est marché. Hein. T'appelles ça comment? Quand je vais au champignon là-bas, tu verras comment ça marche dans les coups, t'envoies on grimpe des collines, des montagnes. Hein. T'appelles ça comment alors? Et tu vois, gilet jaune. T'appelles ça comment ce qu'on fait alors, si c'est pas de la marche? Gilet jaune. Là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une toute petite poignée de gilets jaunes, ils doivent être 1000 ou 2000, et puis tout le reste des gens là. Mais ils servent à rien. On en a rien à ils en ont rien à branler, c'est pourquoi? Collabo. C'est des collabos? Ah ouais, collabo. Ah oui, ils sont plein de fric. Tout le monde est plein de fric en fait. Ah ouais, tout à fait, non, pas tout le monde, non. Pas nous, hein.
Sinon, c'est pas dans les rues. Hein. Non, mais à part les gilets jaunes, les autres sont plein de fric. Ah non, tiens, il y a tout. Et le problème, c'est que j'ai oublié d'enregistrer la 2. Ouais, ah oui. Quoi, tu voulais regarder la télé? Ah ben oui, il y a quand même Derrick. Hein. Ah oui, ben, il y a Derrick. J'ai complètement oublié, tu vois. Je suis tellement pris par les jets. Toi, pendant la Révolution, tu penses à Inspecteur Derrick, c'est ça? Ah oui. Ah, je rate jamais une émission. Ouais. Ah, je m'endors devant, ça me berce. On est donc où? Ah, sur la plage, avec la famille, gilets jaunes. Alors là, comme ils vont gazer prochainement, faut faire quoi? Ah, ça va pas tarder. Hein. Parce que là, ils sont en train de refermer les rues, je veux. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Manger une barbe à papa. Bah, courir comme les lapins. Ah, j'ai une technique, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu sais bien que je suis quand même un mec sympa. Ouais. Avant qu'ils gazent, tu vois. Ouais. Une technique, c'est qu'on va aller de l'autre côté du pont. Comme ça, ben, quand ils vont gazer là, nous, on sera déjà là-bas. Mais par contre, on va faire gaffe parce que les gens, après, ils courent, ils viennent vers nous. Hein. Donc, il faudra faire attention. Okay, mais de toute façon, ça risque de piquer quand même les yeux, hein, je te le dis. Hein. Non, donc, suis, j'espère que tu as des Kleenex. Ouais. Qu'est-ce que c'est, des Kleenex? J'ai entendu parler. Ouais. Voilà. Il s'en faut. Hein. Ouais. Ah, c'est obligatoire. Hein. Parce que quand t'as les yeux qui piquent, après, tu restes ça. Donc en fait, si je comprends bien, vous êtes venu... Je vais te sauver quand même la vie, parce que là, je change un patard à partir. Ouais. Il faut mieux qu'on passe vers le fond. En fait, si j'ai bien compris, ouais. Vous êtes venu... Bah, se rassembler, prendre le soleil. Se rassembler pour partir, en fait, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. C'est tout à fait nous. D'accord. Voilà. Bah, je t'ai dit, on est une grande famille. Hein. Ouais. Eh ben, tu mets pas ça à une table à 10. Hein. Ouais. Tu comprends le truc? Ouais, ouais. Bah, c'est tout à fait ça, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc là, maintenant, on peut passer le pont. Ouais. Et puis ça sera bon comme ça. Là on est vers le pont, tu vois. Ouais. Le pont est là-bas, derrière. Et du coup, elles arrivent, les filles. Ils font sortir par ici, c'est ça? Voilà. Tu vois, le pont, il est ici. Sinon, t'as l'autre là-bas. D'accord. C'est comme tu veux. Ah, le mieux, c'est d'aller au plus près des coups, tu vois, comme ça va. Salut. Ah, tu vois ça, c'est pas beau. En fait, ils sont en train de larguer les CRS. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est la fête, hein. C'est toujours le jeu du rat et de la souris, hein. Ouais. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui en ont rien à foutre que de gilets jaunes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est immédiat, ça, c'est des conneries. Non, mais, Bébert. Ah, c'est merdia. Ouais, Bébert, vous avez remarqué quand même que quand on est passé, là, ils sont quoi, 500 000 maximum. Hein? Regardez les gens, tu rigoles pas un peu? Regardez les gens autour, là. Tous ces gens-là qui vivent comme ça. Tous ces gens-là, on n'a rien à branler, quoi. J'ai appris à compter, hein. Ils sont plus que ça, hein. Ouais. Ah, là, t'es tranquille, hein. Ah, ils sont moins 1003. Ouais. Ah oui. Sûr. On discute trop. Ça va être bientôt fini. Là, les gens commencent à rentrer, tu vois. Il y en a qui s'en vont. Là, ça casse dans combien de temps? Ah, d'ici une demi-heure. On voit que t'as l'habitude, hein. Ouais, on connaît l'heure, hein, en gilet jaune. Ouais. On va pas tarder. Ça vaut vraiment le coup d'attendre que ça gaze en fait? Ça sert à quoi? Ah ben c'est l'heure que j'ai fini, quoi. Mais ça changera quoi en fait au final? Ah ben que j'ai fini. Que ça gaze. Ben que la journée est finie. D'accord. Parce qu'on est pacifique. C'est eux qui cherchent. Au moins, on va voir qui c'est qui cherche la merde. Si vous restez là, vous allez rester là pendant combien de temps? Tiens, regarde, ça fait de la fumée. Pourquoi ils font ça? Pour cramer les pneus. Ah ouais, parce que, on voit bien, ça s'appelle un burn. Ils font un burn? Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ça fume, hein? Ouais, mais ça sert à quoi ça sert exactement de faire ça au final? Bah, ça fait joli. Ouais. Sans le pneu. Ouais. Voilà. Thank you.
gilets jaunes. Alors là en fait, vous les gilets jaunes, il y a eu plus de 10 morts. Plus de pas une mort, qu'est-ce que tu racontes ? 2000 blessés. Ouais, au final, 11 morts. Ouais, pourquoi ? Au final, ça aura servi à quoi ? C'est une question que je pose. Ils foutent la merde. Ah, foutent la merde ? Ouais. D'accord. C'est GRS ? Tu crois pas que c'est. Bébert, tu crois pas que c'est piloté par le système, en fait, tout ça, et qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est que vous révoltez ? Ah, oh, bah ça, c'est franc-maçonnerie et toute la clique, hein. Ouais. Enfin, ça, c'est sûr. Hein. Et pourquoi tu fais leur jeu alors ? Bah, c'est pas leur jeu, c'est la franc-maçonnerie, c'est pas moi. Si tu fais. Le jeu. Ah okay, non, ça n'a rien à voir, moi je suis gilet jaune. Ouais. Bon, pareil. Et ben moi j'ai pas enregistré d'Eric, alors ça me fait chier ce soir, je sais pas comment je vais faire. Oui, oui, ça c'est vrai que ça. C'est... Ah, je suis déçu, hein. Je suis déçu. Ah, ça va aller. Ah, voilà, voilà. Ça va aller. Non, ça va pas aller, j'ai raté d'Eric, je rate jamais un d'Eric. D'habitude je copie. Je rate jamais un d'Eric, jamais. Jamais. Et à cause de ces machins là. Macronistes. Ah. Ça va aller. Pas grave. Il y a une rediffusion, il y a des replays d'Eric. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Non. Il n'y en a plus. Ouais, là c'est vraiment la fin du monde. C'est la fin du monde. Ah, je suis positif. Là. Semaine pour revoir la famille. Hein. Ouais, mais finalement, tu n'as pas vu comme ça quelque part. Parce que... Ah, si, quand même. Ça arrive beaucoup de monde. Hein. Ouais, tu t'es gazé. Ah, ouais, quand ils m'ont vu, ouais, j'ai commencé à gazer. Je ne pouvais même pas rentrer. Ils sont dit blabébert. Ça y est, j'étais sûr que j'étais dans la merde. Ouais. Bah, ça, c'est l'école à bouche. Hein. Voilà. Bon. À prendre le bus. Après, on fait la baraque. Bon, quand je nourris ma chèvre. Allez, c'est parti.